Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur la map du serveur de notre communauté Minecraft. Et je me rends compte que là nous avons un petit panneau qui est venu me mettre un message. Ce siège si unique. Ouais, je sais. Bisous Orphéa, signé Zombie au chocolat. Voilà, Zombie au chocolat, un membre de notre communauté Minecraft. Merci Zombie au chocolat. Ouais, il est formidable mon siège. Bien que sur mon siège là, il manque pas ça par hasard. Bref. On a des gros problèmes sur le serveur de la communauté. Il y a des choses qui disparaissent. Et là, peut-être avez-vous constaté qu'il manque le pied de mon fauteuil. Hein? Comme c'était déjà un peu un truc bizarre, j'avais mis un pied. En gravier. Du coup, avec le mode de jeu, le pack de ressources Sugar Pack, ça faisait super beau. C'était mignon comme tout le pied, mais du coup, bah là, il est plus voilà, normal. Et là, dis donc, c'est quoi l'invasion de champignons là? Mon biome préféré, effectivement, c'est mon biome champignon, parce que hein, t'as une idée pourquoi? Il n'y a pas de monstres dans les biomes champignons. Sauf quand un mot créature. Même si j'ai passé pour une cucu quand je l'ai dit, quand je l'avais fait. Mais là, qu'est-ce qu'elles font là, les champignons? Là, on a le métro. Mais on va pas prendre le métro, on va passer par là directement. J'ai pas fait grand chose hein, en déco, pour tout vous dire. J'ai pas trop eu le temps. Là, on vient de revenir d'une grippe tous. Et on avait beaucoup de travail en retard. On en a toujours énormément. Et le problème, c'est que les factures, elles s'en foutent comme d'un an 15. Tu dis, oh, j'ai pas payé parce que j'ai la grippe. La facture, elle te dit, mais je m'en fous. Donc, voilà. Donc, il a fallu voir les priorités d'abord. Hop. Donc là, on va retourner où? Dans la ville moderne, normalement. On va aller voir si les lianes ont poussé sur la fontaine. Et on va aller voir. J'ai un peu honte de faire ça parce que c'est ma vidéo de déco et je vais encore vous montrer les constructions de Saussade. Pardon d'avoir écorché ton pseudo Saussade. Je suis en train de penser à 2000 trucs en même temps. Ouais, je sais, c'est dur pour moi. Oh, tu, tu, tu. Et non, j'ai pas très très bien dormi encore cette nuit. Un petit peu le ciboulot qui tourne trop en ce moment, on va refaire. Non, on avance. Normalement, on arrive dans la ville moderne. Voilà. On est dans la ville moderne. On y est. Ma fontaine est ici. La ville moderne n'a pas été tellement touchée par... on va accuser les bugs serveurs, hein, on va pas accuser quelqu'un. Mais étonnamment, beaucoup de bugs sur le serveur sont faits à cause du feu. La maison de Hervé Craft a flambé, la pêcherie a flambé... Enfin, la maison de pêche a flambé... Le ranch, alors je vous en parle même pas, il est parti finger in the nose. Donc voilà, ici ça a poussé les lianes, super. On a plus les golems? Ah si, ils sont là. Enfin, il y en a un là déjà. Donc s'il y en a un, c'est qu'il doit y avoir l'autre pas loin. Et je tenais à venir revoir la fontaine pour vous dire merci pour tous vos messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a fait extrêmement plaisir.
Ceux qui n'ont pas suivi, cette fontaine, je l'ai fait pour mon grand-père qui est décédé au mois de janvier. Tous vos messages m'ont fait énormément plaisir. Comme souvent vos messages, quoi. Fou là là, ça fait vraiment plaisir là. J'ai 2000. Oh ben on est déjà là, dis donc. J'ai 2300. 2030. Excusez-moi. 2030 abonnés et franchement, fou. Vous êtes vraiment super. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages de soutien que vous m'avez envoyés là depuis le début de l'année. C'est génial. Donc Sossad, alias bonjour, je construis comme un fou. Il est impressionnant parce qu'il construit tout lui-même, tout seul comme un grand. Il a juste eu besoin de pousses d'acacia et m'a demandé, je lui en ai donné. J'en avais 8 sur moi, je lui ai filé. Moi, il m'impressionne parce que, attendez, c'est moi qui fais une série de déco sur Minecraft et je ne suis pas capable de faire ça. Sérieusement. Il est en train de nous faire une ferme là et c'est merveilleux. Le toit, la façon de faire le toit. Alors, la dernière fois, il m'a dit oui, mais t'as montré ça, mais j'avais pas fini. Ouais, je sais, mais oh là 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 là, c'est déjà superbe. Alors là, je pense que c'est déjà bien avancé quand même, hein, même si c'est pas fini, on y est presque, hein. Et c'est vraiment très très beau. Et puis en plus, Sossad, faut lui souhaiter plein de courage pour ses constructions, parce qu'en ce moment, il est souvent sur le serveur, il construit comme un fou. Et à partir du mois d'avril, il pourra plus venir sur le serveur. Donc du coup, voilà. Je trouvais que c'était très 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 normal de venir montrer ce qu'il fait. Et comme j'ai pas eu le temps de construire plus que ça, et ben voilà, c'était l'occasion. Ça fait super beau, ça, dis donc. Ça doit être en muret. Oh, la bonne idée qu'il a. Il y a un truc qui crame. Peut-être les torches, je ne sais pas. Ouais, il y a des torches. Excusez-moi, j'avais entendu un bruit, mais il y a mon chien qui a fait du bruit. Hop là. Elle m'a fait rire quand. Oh, bref, on s'en fout. Donc voilà. Bravo Sossad, franchement, c'est formidable ce que tu fais. Sachant qu'il fait tout à l'os, hein. Il est pas en créatif et même quand je lui propose, je lui dis, tu veux pas que je te fasse des blocs? Non, non. Non, non, je fais tout moi-même. Oh, trop impressionnant. Hop là. Bon. Et nous voilà chez Hervé dans la ville moderne. La maison d'Hervé. Après, c'est la mienne. Où ça? Là. Avec des PNJ dedans. Et l'autre jour, un zombie en or qui voulait venir les attaquer. La maison de Lucie. Et puis tout, la maison de You. La maison de You qui a été attaquée l'autre jour et qui a pris feu. Normal, quoi. Il y a eu effectivement à cette période-là, il y a eu de l'orage sur le serveur. Moi, j'y étais. Donc, du coup, j'ai vu l'orage, mais j'ai pas vu la maison de You flamber, hein. Il me balance des fioles de vitesse. Allez vite, Orphéa, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah, c'est pour que je dégage, j'ai bien compris. Hop. Alors ici, les arbres ont été décapités. Et là, un petit peu plus loin, alors. Voilà, ici, les arbres ont été décapités. Normal, normal, normal. Je sais pas, peut-être une tempête qui est passée. Donc, pour ce qu'il en est de ma place, pour l'instant, j'ai toujours rien fait. J'ai juste un petit peu dégagé
une partie des petits arbustes que j'avais mis. Parce que finalement, je vais la laisser en pierre, la place. Elle est en pierre, elle va rester en pierre. Basta, bon dimanche. Je vais remettre le jour. J'ai laissé le son un petit peu plus fort de la musique. Parce qu'il y a des fois, je vous parle de la musique. Et puis en fait, comme c'est pas assez fort sur mes vidéos, on n'entend pas. J'espère que ce sera pas trop fort. Oui, miaou, miaou. Ouais, l'autre jour, j'ai regardé une vidéo de moi avec Lucie. Et... Bah, elle dit, maman, tu parles de la musique, mais on n'entend rien. Bah ouais, effectivement, on n'entend rien. Donc ça, c'est pas continué, hein, pour l'instant. Je vais me contiter. Bien sûr, je vais me contiter. Je vais me contenter. Excusez-moi, hein, moi aussi, je fais la réforme de l'orthographe. Mais l'orthographe par voie orale, tu vois. Bah oui, restons logiques, tant qu'à faire. Oh, elle est méchante, elle critique. Qu'est-ce que... Attends, je sais plus ce que je disais. Donc oui, je vais me contenter de refaire les façades ici. Mais je vais surtout m'occuper de ma map déco à moi. Celle qui est corrompue. Et je vais la mettre sur un serveur. Il m'a fait peur le creeper là. Je vais la mettre sur un serveur, comme ça les personnes qui m'avaient proposé leur aide pour voir un petit peu ce qui se passe sur la map pourront plus facilement venir m'aider. Voilà. Ce sera un petit peu plus logique. Attends, on va faire un truc. Ça. Voilà. Parce que le chat, je l'ai levé, mais il monte tout de suite sur les coffres et jamais, au grand jamais, ils ne te suivent les chats. Je sais pas, c'est un truc en 1.8, les chats ils les ont mal élevés. Miaou, miaou. Ben voilà, il pose son cul sur un coffre et basta. Tiens, courage Orphéa. Signé zombie au chocolat. Merci zombie au chocolat. Ça va aller, ça va aller. Je vais m'en sortir, j'ai retrouvé la motivation. Depuis le début de l'année, je suis pas méga motivée pour construire sur Minecraft. Pour tout vous dire, j'ai un petit peu des idées plein la tête et je suis en grosse période de ras-le-bol là, depuis à peu près le début de l'année. Et c'est pas... C'est quoi ça? Bon, dis donc, on avait mis sa petite laine. Bon, dis donc, coucou la petite laine, elle est belle, hein. C'est beau, dis donc. En plus, t'es, c'est enchanté, ça. Oh, ben oui, elle est en maille et enchantée. Magnifique. On va te tuer quand même. Parce que, comme ça, si tu donnes ton armure enchantée, je pourrais la mettre... Eh, tu vas crever, oui, ou merde. Merci. Il a rien donné, la vache, à part des nonos. Le méchant. Non mais parce que comme ça, s'il m'avait donné son armure, je pouvais la mettre dans un coffre. Et si quelqu'un passait par là, il pouvait se servir. Ah si, jambière en maille. Oh la vache. Ouais mais elle protégera pas des masses, mais un petit peu quand même quoi. Attends. Ouais. C'est pas grave, si ça peut servir à quelqu'un, ce sera toujours ça de prix. Que me dirait l'autre. Bon, ben voilà, on a vu ce qu'a fait Sossade. Je vous ai dit ce qu'il allait se passer pour ma map déco de base. Ce qu'il allait se passer pour ici. Pardon. Et puis, ensuite, j'ai un petit peu envie de retourner dans le monde avec tout le monde. Parce que moi je suis un peu... Je me mets un petit peu de côté toute seule comme une grande. Je me fais ma construction ici. J'ai mon fauteuil. En plus mon fauteuil il a été quand même amputé d'une jambe. Bon d'accord, il n'en avait qu'une mais... je suis pas forcément avec tout le monde et ça m'embête un petit peu. Donc là ici on a la ville médiévale. Si je tourne au bon endroit normalement oui.
On va voir un petit peu. Et c'est vrai que le serveur de la communauté s'est fait un petit peu pour être ensemble, quoi, donc. Moi, je me mets un petit peu de côté et je trouve pas ça cool, quoi. Tout comme moi, je suis en créatif, je peux aider. Bon, à part avec Word Edit et compagnie, moi, je connais rien. Alors là, le truc, il m'intéresse pas du tout de construire avec Word Edit, donc du coup, comme ça m'intéresse pas, ben, je sais pas. Ah, moi, je suis borné comme un âne, hein. Ah oui, ça m'intéresse pas, ça sert à rien que je me casse la nénette là-dessus. Moi, quand je construis, c'est à la main. Voilà, à la main, comme les Romains. Hop là. Ouh, mais dis donc. Waouh. Je t'ai jamais passé par là, donc c'est génial, on le fait ensemble, dis donc. Hop là, donc nous voilà au moulin de Lolik. Et l'autre jour, je suis venue, les PNJ étaient en train de récolter. Chose très rare. Car nos PNJ sont plutôt des PNJ, j'en fais rien. Bah oui, puis si tu t'amuses à sauter. Mais non, on s'en fout de ça, mon cadet. Oh. Je vais passer un petit peu le râteau, là, pour. Les aider. Là, il y a toujours des endroits qui sont redevenus secs parce que bah, les PNJ passent. Et puis il y a un lapin aussi, une fois de temps en temps, qui s'amuse à venir là. Voilà, mon cadet. T'as plus qu'à remettre un petit peu d'herbe. De graines. De l'herbe, oh, n'importe quoi. J'étais pas allé dans la maison de zombies au chocolat. Parce qu'il a eu des dégâts, lui, chez lui. J'ai mis des gâteaux. Il y a encore plein de trucs dans ses coffres, donc voilà. Hop. Il n'y avait pas une descente chez lui pour aller dans une cave? Non, il n'y a plus. Et comment? Il n'y a plus de porte non plus. Alors là, peut-être c'est normal, je ne sais pas. La maison de Rasfodi a vachement morflé. Vous allez voir ça. Ici, ça a morflé, mais ça doit être un creeper qui est décédé. Là, c'est un trop de creeper. Là. Voilà, il manquait un truc là, normal, normal, normal. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Voilà, bah, chez Rasfodi, voilà ce que ça a donné. Hein. Il manque tout le mur que Marc avait fait. C'est Marc Phoenix qui avait fait ça. Et là, ici, la maison de la pêche a dégagé. Il n'y a plus rien. Eh non. Voilà. La petite maison qui était si agréable pour la pêche a été détruite. Normal. Normal. On va dire que quand on fait un serveur de communauté, quand il arrive des trucs comme ça, c'est vite qu'avant. Et là, on est un petit peu en mode gavé. Attends, là, je suis perdu complètement. Elle est où notre maison à Marc et moi? C'est celle-là. Moi, c'est la maison d'Hervé, hein, que, complètement, je sais pas, voilà, ça a flambé, voilà. Ça, c'est notre maison à Marc et moi, yes. C'est Marc Phoenix qui l'a fait. Ça, c'est la maison du spawn. Là, on a la maison de Diabolos qui a fait comme la maison d'Hervé. Elle a fait je me désintègre toute seule ou alors j'ai pris un petit peu feu par inadvertance. Oui, oui, oui.
Bon, bref. Ça reste du matériel, hein. Ça se refait une maison. Hop! Bon. Eh ben sur ce, moi j'ai qu'une chose à vous dire. Ici on avait le ranch, hein. On avait des maisons, on avait plein de trucs en bois. Maintenant on n'a plus que les lanternes qui volent. Ah, puis qu'est-ce que c'est que ça? En dessous, il y a l'air d'avoir quelque chose. C'est quoi? On voit rien. Là, on a la maison de Youwot, You2000 pour les intimes. Hop! Et là, ici, nous avons toujours. Ah, mon ordinateur, il s'en sort pas. Là, on a le phare de l'Olic. Mais dès que je m'en approche, pardon. Mon Minecraft rame et mon ordi aussi, de toute façon là il souffle comme un cochon. Et pour l'instant ben, j'ai encore pas les sous pour m'acheter un nouvel ordinateur, donc on va attendre un petit peu. C'est pas grave, hein. On fait avec, hein. On fait avec les moyens du bord et les moyens sont parfois un petit peu légers, même souvent légers, mais c'est pas grave. Attends, là c'est la poubelle. Un truc super là. Franchement, la poubelle dans Minecraft, je trouve ça top génial. Tu as le centre de tri, comme ça ceux qui arrivent, ils vont au centre de tri. Ils prennent ce qu'ils veulent où ils veulent. Ah, du coup, ça fait laguer à mort. L'autre jour, on m'a dit tes premières vidéos, elles laguaient beaucoup moins que celles de maintenant. L'ordinateur que j'avais à l'époque était beaucoup mieux. J'avais pas mis un panneau. Ah non, c'est pas là que j'ai mis un panneau. L'ordinateur que j'avais avant était beaucoup plus puissant que celui que j'ai actuellement. Donc après, c'est normal que ça lague un petit peu plus. Et puis oh, ça lague pas à crever non plus. Je regarde des vidéos des fois, c'est amplement plus dégueulasse que ce que je fais moi. Donc je fais mon possible. On va voir si j'arrive à trouver la faille que je suis en train d'aménager pour faire un. Là, ça lag beaucoup, hein, mais je pense que c'est parce qu'on se rapproche de l'eau. Ah, et puis je me demandais si ici il y avait eu des dégâts. Étant donné que c'est un petit peu long et loin à trouver. Peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. Ça a l'air d'aller. Il me semble que c'était déjà comme ça. Hein. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'est-ce. Il me semble que ça n'a pas bougé. Donc c'est déjà pas mal. Là, ici, toujours la lumière pour éviter qu'il y ait trop de monstres. Hop. Là, ici, j'ai un chat qui s'est noyé dans ma. Vas-y, crache Orphéa, on triera. Dans ma fontaine, voilà. J'ai cru qu'il y avait un archer. C'est pas là que je me suis installé, je ne sais plus. Tu vas voler un peu. Oh là 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 là, la gros cul attitude d'Orphéa, c'est terrible. Premier qui dit comme dans la vraie vie, je le tabasse. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Je devais avoir autre chose à vous dire, mais je me rappelle plus. C'est pas grave, de toute façon, je fais assez de vidéos où je discute. Oh oui, c'est là que je voulais aller. Zone ciel.
là en passant par l'eau, j'avais jamais fait encore. Et on monte quand même. Yes! Ah, je l'avais jamais fait ça. Je prends toujours celle où on vole, je crois. Non? Je sais pas. Alors, la maison de You2000. Voilà, toujours ici, impeccable. Là, ici, la maison d'Orphéa avec un archer sur le toit. Salut mon gars! Ouais, c'est cool, hein? T'as vu? C'est cool. C'est cool. C'est cool, le miel. Cherchez pas de rapport. C'est un sketch de Roland McDan dans lequel il dit c'est cool, le miel. Bonne année. Mais qui m'a souhaité bonne année? Peut-être You, peut-être Zombie au chocolat. Peut-être un admirateur secret. oui, il faut faire ça, c'est pas automatique. Hop. J'étais parvenue là depuis très longtemps et j'avoue que cette zone me plaît beaucoup, la zone dans le ciel. Aller pêcher dans mon étang hyper généreux. Ça, c'est clair que l'étang est hyper généreux. Ça. Du coup, je me suis rien fait gorer. Faut dire que c'est un peu loin pour venir jusqu'ici. La zone pour les enfants et toupi-toupi-tou. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu là, donc du coup, comme ça, je vous montre un petit peu ma déco. Y a pas de jouets, y a pas de jouets, y a pas de jouets, y a pas de jouets. Je voulais faire mumuse. J'aurais fait un puzzle. Puzzle des mignons. Bonjour, la salle de douche. Hop là. Alors. Elle est belle cette maison-là parce que tu sais quoi? Ben, dans la vraie vie, j'aurais une maison comme ça, je serais vachement contente. Parce que ici, t'as quoi là? Ici, c'est le dressing. Ah, les chiottes, bah oui. La suite parentale, donc j'ai mis des toilettes, il y a la baignoire ici, les toilettes et puis la douche peut-être. Non, oh non, mais moi je prends pas de bain dans la vraie vie, j'aime pas ça. C'est pas écolo. Hop, et t'as une grande suite parentale ici, là t'as une chambre. Avec un bureau, le miroir, le bref, t'as plein de chambres. C'est vrai qu'on me dit que la maison dans laquelle je vis actuellement dans la vraie vie est petite. Mais petit ne veut pas dire petit petit. Si c'est fonctionnel, c'est bien. Et c'est vrai qu'une grande maison comme ça me plairait. Tiens, moi j'aurais mon bureau là en haut. Trop bien. Une grande cuisine. Non, elle est où la cuisine? Ah bah elle est là. Voilà, donc nickel. Oh, pour faire tous mes gâteaux, toute ma bouffe que je fais. J'ai fait un canard l'autre jour. Oh, il est bon. Faut dire que déjà là-bas, c'est un bon canard. Bon. Par contre, ouais. Voilà, merci. Un établi, non, il y en a un dans la maison. Bon, on va voir si la pêche est toujours aussi agréable dans cet endroit. Parce que vous me connaissez, moi, la pêche, ça me fait copieusement chier. Pour parler poliment. Bon, là, j'ai une canne à pêche enchantée. Hein, donc, que j'ai pêchée dans une rivière. Et là, on attend le mot magique d'Orphéa. Alors? Ah! Quand même, et puis je l'ai retiré trop tôt. Ah là 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 là. C'est des poissons aériens, alors ils ont pas de temps. Tu comprends? Ils sont pas pressés. Il y a moins d'oxygène peut-être dans l'eau, je sais pas.
Ah bah zut alors. J'ai une canne à pêche enchantée et je vais rien être capable de pêcher. Ok. On va regarder le soleil qui se lève. Et la maison de You. Allez. Yes, un poiscaï. Oh, si on en pêche un deuxième. Comment? Oui, c'est ma série de déco. Donc on pêche, normal, normal. Ah là voilà. Ah là voilà. Bon, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Et allez, stop, ça m'énerve, j'en ai marre. Hop là. Bon, mais comme ça m'a permis de venir revoir ma maison dans la zone aérienne. De voir un... Oh, bah, j'étais sous l'eau, dis donc. Même les cheveux, ils sont même pas mouillés. Oh, trop fort, t'en fais. Puis de revoir la maison de You. Et puis de d'émettre l'hypothèse de venir ici pour faire un petit peu quelque chose en construction. Parce que sur une zone comme ça, sur du verre, ça fait super beau. Bon, je crois que j'allais donner à manger à mon chien. Qu'elle se dit qu'elle a faim. Et du coup, elle vient de mettre un coup dans sa gamelle de croquettes qui est vide. Cette pauvre bête. Bon, allez. Vous la trouverez bientôt sur YouTube. J'ai fait une vidéo d'elle l'autre jour. Je vais la mettre certainement incessamment sous peu. Bon, allez. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de déco-construction. Complètement pas décoratif, complètement pas constructif. Mais c'était aussi un petit peu du blabla du dimanche. Et voilà. Donc je suis ravie de voir que vous regardez mes vidéos le dimanche, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde.